Tu cherches à acheter des crédits et tu sais pas où aller? C'est simple, y'a qu'une seule adresse, buyfacoins.com, c'est rapide, sécurisé et en plus de ça la taxi est couverte. Donc si t'es intéressé, n'oublie pas d'utiliser le code CRAZIP pour bénéficier des 5% de réduction. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est CRAZIP. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Le rêve de tout joueur. Donc vous voyez qu'on a fait quelques petites modifications. On a chopé dans l'épisode précédent, si vous vous en souvenez, Vincent Compagnie et Iker Casillas. Donc voilà, deux joueurs qui vont faire plaisir, deux joueurs à 86 de général, deux joueurs que j'aime énormément. Alors c'est vrai que Vincent Compagnie, là ça va faire un petit peu... Enfin, lui va plutôt faire tâche, le Iniashevich, qui va faire un peu tâche à côté de Compagnie. Mais voilà, au moins on a réussi à choper ces deux joueurs et j'en suis bien content. Donc du coup, on va directement se lancer dans cette compétition. Donc là, ça va être le dernier match de poule. Le dernier match de poule. Donc là, on a gagné les deux premiers matchs. Normalement, on est sûr qualifié. Et donc du coup, alors attendez, je joue contre contre Rotterdam United. Là, donc il a fait deux matchs, deux victoires. Et il a un goal average de plus 4. Il a une équipe qui n'a pas centre collectif. Alors, il a un Nkoulou. Je vais essayer un petit peu de reconnaître les joueurs. Non, en fait, j'ai laissé tomber parce que j'en connais aucun d'autre. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour les meilleures actions de ce premier match. C'est parti. Allez, vers le haut. Oh, il est parti. Allez, Saliovic. Allez, accélère, accélère, accélère. Oh là 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 là. Allez, mets-la au fond. Oh oui, à 30. Tranquille, tranquille, tranquille. Allez, la petite danse du boule, la mini danse du boule. Bah voilà, écoutez, quatrième minute, on ouvre le score. Saliovic. Voilà, on va en profiter. Allez, vers le haut. Allez, grenier. Oh là là, qu'est-ce que tu loupes ça, Benteke. Allez, le corner. Saliovic, la tête de Benteke. Et voilà, bah oui, celui-là, ça fait 2-0. On s'excuse. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à marquer ce deuxième but. Mais voilà, il est enfin arrivé. Et encore une passe décisive de ce Saliovic. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Je vous dis que je l'aime bien, moi, ce joueur. Allez, Ozil. Allez, Ozil. T'as pas marqué encore. Allez. Oh là 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 là. Oh, il la met pas. Dommage. Oh non, 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 non. Sur un contre. Allez, Casillas. Oh, il la met. Oh, il la met à côté. Comment il fait pour louper ça? Bon, bah voilà, écoutez, mi-temps. Mi-temps sur le score de 2-0. Un but de Saliovic, un but de Benteke. Sur le but de Benteke, une passe décisive de Saliovic. Ah, moi, franchement, je vais m'intéresser d'un petit peu plus près de joueur. Ah, niveau des stats, voilà, il n'y a pas photo. Il a eu une grosse occasion, il a réussi à la foutre à côté. Pour le moment, on n'est pas en danger. Allez, deuxième période. Oh oui, on l'a vu l'appel. On l'a vu l'appel de Benteke. Oh, c'est pas Benteke, c'est Ozil, la frappe. Oh, c'est le poteau. Et Clément Grenier qui a suivi derrière. Oh, celui-ci, il n'est pas hyper beau non plus. Allez, la petite danse... Oh, mais non, à chaque fois, je me trompe. Bon, bah, le saut à plat ventre. Et là, on fait, je sais pas, la nage du débile. Voilà, on va appeler ça à la fin de la célébration. Bon, bah, écoutez, 3-0. Oh, non, 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 faut pas les perdre, les ballons, là. Ah, il est tout seul. Ah, ouais. Ah, bah, voilà, Muriel qui réduit le score. Ah bah là, j'ai perdu le ballon assez rapidement sur ma relance. Et puis derrière, bah, il arrive à faire une bonne passe. Et Muriel qui la met au fond. 3-1. Non, 3-1. Allez, lance-le. Oh, il est parti là. Il est parti, grenier. Bah, là, tu le rattrapes pas, là, Nkoulou. Nkoulou pas assez rapide. Allez, un petit centre-tête ou pas? Bon bah non. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, grenier. Allez, la célébration du Worm. Hop là, bien joué. Bien joué, Grenier. J'aime beaucoup. En plus, un bon pied gauche. Ça fait plaisir. Oh là, dommage. C'était bien joué. Bon, bah écoutez, on gagne ce match. 4-1. Un doublé de Grenier. Un but de Benteke, un but de Saliovic. Donc, du coup, pour le moment, on est bien. On est qualifié, voilà, pour la phase à élimination directe. On a un petit pack, 2500 crédits. Donc du coup, bah, ça nous fera également un pack à 5000 à ouvrir en fin de vidéo. Et 840 crédits avec le petit bonus 200 crédits IESFC. Ça fait du bien, ça fait du bien au niveau des crédits. Donc voilà, au niveau des stats, il n'y a pas photo. On méritait notre victoire. Allez, on passe maintenant au deuxième match de cet épisode, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, on a directement notre adversaire pour les huitièmes de finale. Alors, ça a l'air d'être un Italien, voilà, c'est ça.
France-Italie, enfin plutôt Italie-France comme c'est présenté. Alors il a une équipe déjà à 100 de collectif, 78 de général, une équipe je pense européenne en 4-2-3-1 version 2. Une formation que j'aime beaucoup et donc du coup ouais, il nous propose. Alors il y a du Varane, il y a du... je crois que c'est Vermaelen, du Cabaye. Le reste, le reste, le reste. Ouais, le reste c'est compliqué. Donc voilà, bah écoutez, on est parti pour ces huitièmes de finale. Maintenant, une défaite serait synonyme, bah, tout simplement d'élimination. Allez, meilleur moment de ces huitièmes de finale. Oh, elle est bien donnée. Allez, ouvre ton pied, Ozil. Et voilà, 1-0 Ozil à la 11e minute, la célébration du débile, suivie de... Et bah encore une fois la prière, non, j'arriverai décidément pas à faire la célébration de Michael Jackson, je ne m'en souviens plus, désolé. Allez, 1-0. Allez, Menez. Allez, Menez, joue un petit peu du physique, la frappe du gauche. Oh là 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 là. Et bah maintenant, je me souviens pourquoi je prenais Menez au tout début de ce fut. Que je le prenais, que je le foutais en BU, tout simplement parce qu'il est monstrueux. Cette action en est la preuve. Allez, 2-0. Bon, bah voilà, écoutez, mi-temps, 2-0, franchement, pour le moment, c'est tranquille, mon adversaire qui a pas énormément d'occasions, j'arrive bien à le bloquer quand il remonte le ballon. Et donc du coup, pour le moment, tout va bien. Un but de Ozil et un but de Menez. Et bah si mon adversaire veut revoir mes buts, ce sera avec plaisir. Non, voilà, ça y est, il a enfin décidé de passer. Ouais, au niveau des stats, je suis devant, même si c'est vrai qu'il a eu deux petites frappes. Après, c'était pas vraiment dangereux. Je sais même pas si je vous les aurais montrées. Bon, bah voilà, écoutez, maintenant, deuxième période. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, bon, bah voilà, mon adversaire qui réduit le score, 2 buts 1. 2 buts 1, 86e minute. C'est vrai qu'il a pas mal poussé dans la deuxième période. Et puis là, ouais, sur une balle au-dessus de la défense qui reste statique, il arrive à trouver la faille et à réduire le score. Allez, 2-1, on tient, hein. Il nous reste 5 minutes, les gars. Pas de mauvaise surprise. Allez, elle est bien donnée. Et Ozil. Oh non, mais me l'a pas à côté. Ozil, quoi. 87 de général, mais là-dedans. Et ben voilà, écoutez, coup de sifflet final de l'arbitre. On a gagné ces huitièmes de finale. Alors j'ai marqué vraiment au tout début du match et puis après c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. Mon adversaire qui a pris un petit peu du poil de la bête. Donc voilà, on est qualifié pour les quarts de finale. Donc ça ce sera pour le prochain épisode. Homme du match Casillas, 9 arrêts. Ouais, ça me paraît bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'il ait non plus énormément de frappes. Ouais, c'était kiff-kiff, hein. C'était kiff-kiff la deuxième période, il est bien revenu. Et donc du coup, on est quand même qualifié pour la suite de la compétition. Donc voilà, bah du coup, écoutez, deux matchs, deux victoires. Donc du coup, ça veut dire deux packs à ouvrir, plus les deux mini-packs. Et j'ai vu qu'il y en a un également. Alors, je sais absolument pas d'où il sort. Regardez, j'en ai trois. Et il y en a un, je sais pas d'où il sort. Alors, attendez, on va regarder ça. Celui-ci, là, je sais pas. Pack cadeau classique mondial. Je sais pas. Bah écoutez, on l'ouvrira. Donc voilà, ça en fera... Enfin, ça en fera 5 en tout, mais 3 packs à 5 000 en tout. Antonelli, ouais, un Italien, pourquoi pas. Pourquoi pas, après c'est vrai que pour le moment, on n'a pas tellement besoin de joueurs. L'équipe qu'on a me convient, après si on a de gros joueurs, Cocorine, non. Mais si on a de gros joueurs, ouais, c'est sûr que je cracherai pas dessus. Donc, le pack là, cadeau, qui je sors de je ne sais où. Allez, on va laisser l'animation pour les packs comme ça. Alors, un petit Weidenfeller, encore un gardien, un Draxler. Pourquoi ils l'ont mis en milieu gauche? Ah, c'est dommage. Bah après, on verra, parce que Draxler, ça peut être intéressant. Un joueur que j'aime beaucoup. Par contre, en milieu gauche, ça me paraît bizarre. Moi, je le vois beaucoup plus en MOC, comme il est sur FUT, quoi. Mais là, ils l'ont mis en milieu gauche. Bon, bah après, c'est vrai que ce sera à tester. C'est vrai qu'il n'a pas non plus la vitesse pour être pour déborder sur les côtés. Après, à voir, à voir, à voir. Bon, les deux petits packs des deux victoires. Le premier, on chope Huntelaar. Et ben voilà, 84 de général. Un bon buteur. Pourquoi pas. Keita. Après le reste, on s'en fout. Oh, on s'en fout un petit peu. Alors, je vais juste. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ben non, le pack, on peut le prendre après. Hop, le pack utilisé. Et ça, on revend pour zéro crédit. On va être riche avec ça. Et donc voilà, le dernier petit pack de cet épisode.
on va choper. Ce serait bien un Ronaldo quand même, hein. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'ont chopé. Brosque, ouais, bon, c'est de la merde. Jiménez, Carmona, Zuber, ouais. Ah, ça y est, encore une fois les doublons qui font pas plaisir du tout. Hein. C'est vrai que voilà, on va dire jeté comme ça pour zéro crédit du Ronaldo, du Messi, du, ben non, j'allais dire Zlatan, non, du, ouais, du Ronaldo, du Messi ou même d'autres joueurs, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'oubliez pas, voilà, pensez à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.